Yo tout le monde, c'est Thiab. Alors, c'est du Rhum des tout à l'heure, on joue les Alains. Voilà, bon, je pense que vous êtes habitués. Et on était un peu coincé. On va pas se mentir, on était plutôt coincé même. On avait quelques difficultés parce qu'on se faisait un peu totalement attaquer de toutes parts. Commencer par tuer ou au moins blesser un peu les agents ennemis qui posent problème. On va s'avancer vers Karana. Voilà, le but étant de d'aller piller pour se faire un peu d'argent. Toujours aux mains des rebelles, c'est bien. Je regarde au cas où s'il n'y a pas, y a pas quelques vieux rebelles chez eux, ça n'a pas l'air. Ça a pas l'air du tout. Là. Les Sassanides qui sont bien là. Ok, tout ça c'est rebelle, ça me va. Faire très attention à ce que Rome ne tombe pas également, qui sont nos seuls alliés, rappelons-le. Voilà, ici on a des rebelles nomades, ça, pas de soucis. On a bien la morale. Ici, qui est-ce? Mariana, oui, c'est vrai. En train de voir si je peux faire de la construction, mais. À part ici. Ou... Ouais, non, il y avait un autre endroit. C'est pas fameux. Ouais, je sais que là par exemple on pourra faire des constructions, mais ça coûte cher. Ça coûte très cher. Là on est bien. Non, c'est ce max. Samartia aussi, hein. Samartia, voilà, on pouvait développer pour ça, pouvoir même retirer. Ah, on a conquis à l'ouest, ce qui ne nous pose plus trop de soucis. Je veux juste voir Calédonien. Ah, les Calédoniens ils se mettent bien aussi. Hein. Voilà. Alors moi, on voit sur la carte, j'ai un gros territoire, mais en fait, c'est juste que c'est des, ce sont des provinces assez larges. Genre celle-là, elle est énorme, ça aussi, c'est énorme. Là, c'est une certaine taille. Pareil, tout là, c'est une province. Ça, c'est énorme, pareil, pour pas grand-chose. En fait, bah, je me retrouve avec pas tant de territoire que ça. Bref, passons un peu à de l'action, hein, quand même, au bout d'un moment. Qui es-tu? T'avais pas vu toi. Rallier les esclaves, est-ce que ça fera de l'effet? Voilà, on va essayer de rallier les esclaves. Inciter les esclaves à se révolter, c'est très bien tout ça. Moins 15 d'ordre public. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une armée. Donc une armée même complète. Ici on a 4 tours avant la constitution. Ok. Là je pense pas qu'il aura la portée. Lui il aura la portée mais bah, ils sont cassés hein, j'ai envie de dire. Ouais, quand ils sont cassés c'est son mal en point. Ouais, donc on va passer le tour et on va voir un peu ce que ça va faire du côté des ennemis. Ok, ces ennemis ils se rapprochent de Gabata. Ça me va. Un présage de péril. Comment puis-je vous aider? Si j'irais bien assassiner un coup général. Le père de tout. Yes. Et voir si ça passe en attaque. Oh, c'est moche. Je vais la jouer en deux fois, hein, ce sera pareil, je la jouerai en deux fois. Ici, je vais aller piller un coup. Ah. Je suis prête. Ok. On passe en résolution automatique.
Victoire héroïque. Ça me va. Voilà, on pille. Effectivement, niveau perte, c'est très correct. Hein. Ah oui, c'est toi qui recrute. Le moral, c'est bien. On va faire ça. Et... On va quand même faire ça. Ça c'est bien. Oui, on va. Ok, on a là. On a ce qu'il faut. Et là, je vais aller attaquer. Ouais. Je vais attaquer Fraspa. Je vais peut-être devoir mener la bataille sur le champ d'ailleurs, hein. Il y a quelques tirailleurs. Mais on a l'avantage sur les tirailleurs, c'est pas très grave. Ouais, je pense que je vais aller la mener sur le champ celle-là parce qu'elle sera. J'ai moyen d'avoir moins de pertes. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ok, il a pris. C'est ce qu'il y a. Ah, j'ai pas envie qu'il se fasse bouffer, lui. Ça ne m'arrangerait tellement pas. Ah, c'est dommage, ça donne pas la vision. Bon, j'aurais essayé. Ok, là on voit qu'on a de l'argent, on va en profiter. Ah ouais, mais non, mais ça c'est nul. Divertissement, ouais. Après, au moral, on n'est pas trop mal. Ouais, si, c'est pas fou. Allez, c'est quoi, fabricant de corps. Bosporus, on a l'air à fond. On va développer là. Un camp de nomade, ça fera un peu de nourriture. Et on va attaquer maintenant. Donc là, juste une petite attaque pour essayer de faire perdre. Perdre des unités hein, à l'ennemi. Donc ils ont un peu de chameaux. Attention, les chameaux, ça énerve les chevaux. Hein. Mais surtout, ils n'ont pas de généraux. Ok, donc bah, je mène la bataille sur le champ et on se retrouve après pour... Donc une victoire, très peu de pertes. Bon, j'ai quand même perdu une unité d'archer Amazon Allen, bon, c'est pas très grave. Comme d'habitude, on relâche les gars. Hein. Pas de... Il faut des thunes. On va finir cette armée. Voilà, on n'entend plus. Hop, retour à Gabata. Ici, oui, ici, il fallait que je mène la bataille également sur le champ. Parce qu'il y avait trois armées. On peut voir, vous voyez, hein, là, ils ont aucune unité qui a ma portée d'attaque. Donc on va en profiter. Allez, je mène la bataille sur le champ, bien sûr, elle est disponible en fin de vidéo. Et pour les autres, on se retrouve de suite. Donc une victoire. Toujours des pertes du tirailleur, hein, hélas. Ce serait pas drôle. On rase. Hop, c'est bon les gars, vous pouvez le faire. Voilà, on rase. C'est parfait. Partons en reconnaissance là au cas où quand même. Non, mais pas plus. Là ça marchera pas, l'assassinat je suppose trop. J'ai même pas l'argent pour. Hop. Voilà. La révolte commence petit à petit. Ici, voilà, on va refaire l'habitation. Zut, j'ai plus d'argent. D'argent, j'espère qu'il y aura juste pas d'armée ennemie. D'ailleurs, on a pas une par là normalement. Là, qui était dans le coin, mais je sais pas où elle est. Bah, zut. Ouais, on n'hésitera pas à concéder du. À
redonner ces villes, hein, au cas où. Ok, je venais de me placer là. Autant pour moi. Attention. Pourquoi attention? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, comme ça. Non, on les connaît à force, on les connaît. Voilà, donc on sort, hop, on embuscade. Et on les attend. Ok, ils ont repris un chemin qui... Oh là là. Ils ont des pertes en plus, ils sont même pas foutus de... Ouais, ils se réveillent d'un coup là. Bon, allez, bien armé, hein. Pas choix. Ouais, j'aurais bien voulu la monter et la lever, je veux dire, n'importe où, mais pas là. Je vais la marier, ça me fera un... Ça me fera un général de plus potentiel à recruter, voilà. Hop. Et oh, ce noble Alain, là, c'est pas mal ça. Là, c'est de la bonne cavalerie ça. Attaque en mêlée, hein, les gars. 66. Menu de charge. Ouais. C'est bizarre quand même qu'il y ait autant. Normalement, c'est une unité de charge. C'est pas censé. Bon, ça me fera l'affaire. Hop. Voilà, on a retrouvé l'unité ennemie là. Toi, meurs. Parfait. Eux, ils vont avancer en embuscade. Et là, on va changer tout simplement. Ah ouais? Ah oui, ils traînent le fion. Là. Ils traînent durement le fion. Là, il a repris Nessos. Ok. Ah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre Piscule et ça me fera une province entière. Bah ouais, les gars, je vais pas. On va pas chercher. Hein. Les marques comment là? Les marques comment et... Ah ouais, ils sont... la Gaule romaine là, ils s'entendent bien avec. Ah, ils sont en guerre contre Palmy. Non, attends, ouais, non. Voilà, donc là on va essayer de faire un petit port commercial, non? Parlez, vous avez mon attention en tant qu'oreille de l'auguste Sénat. Il m'aime pas assez. Hein. C'était bien tenté, mais il m'aime pas assez. Soyez les bienvenus, bien comme mes ancêtres et mon peuple. Romaine, ils s'entendent bien avec. Attends, quoi? Attends. C'est qui? Ah non, d'accord, ils s'entendent bien avec les Calédoniens, mais. Guerre contre la Gaule romaine. Écoute. Ah, je vois que les Calédoniens, ils sont plutôt pas trop mal. On va essayer de bien s'entendre avec les Francs. Hein. Mon ami. Nous parlerons ensemble. Je ne peux dire oui sans putain, passer pour un rien, parleur. Quoi. Et cela ne me ressemble pas, alors je dis non. Je connaissais pas sûr. Celui qui dépend du bouclier de notre n'est autre qu'un fardeau. Ah putain, ça joue à rien. Nos ancêtres étaient des hommes fiers qui pouvaient. Venez, mon ami. Asseyez-vous. Ils veulent jamais. En colère ou ils veulent pas. Ah, c'est dommage. T'as pas joué à grand chose, mais. Ah, c'est comme ça. Allez, on va passer le tour. On va voir ce que ça donne.
lui il s'est fait embrouiller. Alors, eux ils sont en marche forcée. On a recruté deux mercenaires comme ça là. Ça devrait passer. Voilà, mode agressif. En principe, on relâche. Voilà, ça paiera les mercenaires, ça. Hop. Hop, embuscade, voilà. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Un bain intéressant. Oh, aussi quelque chose de bien intéressant. Il a marché trop vite. Hop, embuscade. Un général au moins. Bon, on n'hésite pas à reculer un coup quand même au cas où. Elle est bien évoluée celle-là. Hop, toi, bah oui, 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 tu vas assassiner. Voilà, merci. Tu vas rallier les esclaves. T'as pas réussi. Hop, toi. Tu pilles un coup. Parfait. Le moral, il est en... Oh merde, j'ai oublié ça. Il est en chute libre. Bien évidemment, on développe hein, quand même là, les habitations. Et ici, on va essayer de... Ah ouais, j'ai que dalle. Quelques unités à pied au cas où. C'est pas très convaincant les gars, mais... Qu'y a-t-il ici? Mais c'est... C'est pas formidable. On va recruter quelques unités de mercenaires. Ouais, ça passe. Hop, et prendre la ville. On va occuper hein, parce que c'était des rebelles nomades donc c'est la même culture normalement. Pas du tout. Pas du tout apparemment. Et on va hop dissoudre ces unités là. Voilà, comme ça on a toute la Dacia rien que pour nous. Oh, putain, les rebelles là qui sont en train de s'en prendre au goût et qui n'ont plus rien. Ouf. Les pauvres, c'est compliqué pour eux. Hop, je m'avance, je fais faire une embuscade ici. Je pense qu'on est pas trop mal pour ce tour-là. Alors. C'est là où ça se complique, les gars. Là où ça se complique. Alors, le point fort, enfin, le point qui va m'aider, c'est qu'il a, au niveau de la cavalerie, il n'a... Bon, bah, il a un peu de corps à corps, mais il n'a qu'une seule unité, en fait, d'archer. Hein, celui-là. Ah non, merde, j'ai pas eu celui-là. Voilà, que deux. Donc forcément, j'ai plus de portée que lui. Cependant, il y a beaucoup plus d'unités au corps à corps que moi. Et ça, c'est pas bon. Faudrait que je joue avec le... Peut-être avec la prise du point, en fait. Ça va être stratégiquement difficile. Pareil, hein, tout ça, là... C'est l'unité de merde, hein. Bon. Ouais, non, ça, c'est pas possible. Bon, bah, m'a mené la bataille sur le champ, hein, La troisième, je crois, de cette vidéo. Voilà, disponible en fin de vidéo. Pour les autres, on se retrouve de suite. Voilà, on a bien défendu Artaxa. Je suis fier de vous, les gars.
dame, on a besoin d'argent. Oh, mais il y en a une deuxième là. Hey, faut se calmer. Hein. Merde, il m'a vu, bah il va faire décaler tout le monde là, je suppose. C'est quoi, c'est l'embuscade karaté? C'est. Oula, bâti. Oula là. Pire idée quoi. Ça, tu vois, c'est le tour qui va bien mettre longtemps. Allez, fais ta vie. Ah, bah c'est con ça. Oh, c'est bête, je te plaindrais presque. Voilà, embuscade ratée, non, oui, peut-être. Hop, on sait rien, voilà. Ici, on laisse pas partir, hein. Prends des questions. Voilà, meurs. Comme tu dis. En même temps, ça fait un bail de bon moment que vous êtes là, vous les gars. Alors, on va finir. Ah, faut arrêter aussi, au bout d'un moment. On finit cette armée, là, voilà, pas besoin de survivants. Hunzu, les temps du malheur, ils sont plutôt bien. Voilà, on retourne très vite, bien évidemment. Voilà. En ville, avec plus de feu à volonté. Et on va pouvoir développer Artaxa, je crois. Ça, c'est pour des pillards, c'est pas intéressant. Sont mêlés, ouais, mais oui, mais c'est bien. Voilà, on va mettre ça. Artaxa, hop. développement. Ici. Mais non, c'est sacré, ça devrait faire l'affaire. Et des fermes céréalières. Ah bah eux ils sont bien développés vraiment. On les repille un coup. Hein. Voilà, plus on peut attaquer. Et ce sera. Non, pas plus. Et qui là? On va commencer à faire le chemin du coup. Hein. Sabotage, non, on peut pas. Toi, profite pour voler. Ah, bah, il y a du monde là par là. Et ici. Une embuscade. Et on va. Ouh là 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 là. Il faudra faire gaffe ici. Il va falloir même faire. Attention, c'est ça mon sou. Je l'ai pas du tout vu passer. Bon, rapatriement en urgence. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura aussi à prendre Fraspa et également Piscule. Il me semble que très bientôt. Ouais. Une question d'argent, on va pouvoir faire le troupeau royal ainsi que bah non, on peut pas. Bon, après, ça rajoute qu'à la garnison, donc c'est pas non plus très important. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Hein. On pourra faire le troupeau royal avec archer, cataphractaire, des cèpes ainsi que destriers royaux et cataphractaire noble. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Chubb. Ciao. Alors. Bon, même principe, hein, toujours le général, on le met en arrière, lui il a pas grand chose à faire. Et interrupteur escarmouche. Hop, on fonce vers l'ennemi, on est attaquant. Bon, on accélère, pas besoin de courir. Tirailleur. Unité de tirailleurs, quelques unités d'archers, hein, chameau apparemment. Voilà, on a quand même pas mal de portée, hein, ça fait plaisir. Sachant que là je vais resserrer un peu là tout ça.
Même principe. On ne court pas. Ouais, je vais essayer de resserrer tout en espérant qu'ils ne vont pas se tirer dessus même. Hop, on recule. On recule et on recharge rapidement. Ouais, toute la cavalerie là elle est sortie. Hein. Toute la cavalerie ennemie là elle est sortie comme il faut. Je sais pas si ça fait déjà des dégâts, mais. Alors, on y va doucement quand même, le but étant de faire des victimes. Ah ouais déjà, non mais doucement les gars. Pourquoi je peux pas reculer? Ah putain, mais pourquoi je peux pas reculer? Bon là j'ai perdu le contrôle de mes unités, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est drôle. On resserre la formation. Voilà. Les archers dans ce projectile, on n'est pas trop mal. La cavalerie, la Sarvan, elle est plutôt pas mal. Attention, ne pas sortir du terrain. Mais bon, ces unités à lui corps à corps sont encore loin. Il n'y a pas de soucis. Voilà, on recule. On n'hésite pas à reculer vraiment chez nous. Voilà, là, ils se prennent des bonnes grosses salles, lui. Eux plutôt. Attention eux là, c'est hors de question, restez pas en plein milieu. Hein. Hop, voilà, on fait une attaque. Hop, on sélectionne tout le monde. Ici, mode garde. Hop, même pas besoin, même pas besoin, même pas besoin. On veut pas qu'ils se mettent en plein dans les unités ennemies. Voilà, par contre lui. Un coup de raco, par contre changer de cible les gars, là vous faites mal au général. Bande de couillons. Eux ils sont fait avoir, bah écoute, hein, ça c'est leur problème. Approchez-vous les gars, je vais pas savoir. Arrêtez de tirer là-dessus, bande de cons. Oh, ils tirent sur le général, là aussi il est débile. Ok, là, tirer sur leur généraux quoi. Bon, eux on les sacrifie hein, pour le général. Écoute, ils avaient 4 moins cons un temps d'un sens pour eux, ils sont débiles en plus au pouvoir quoi. Allez les gars, soyez pas cons au bout d'un moment. On tire à volonté les gars, allez, c'est du là, même principe. Putain, il leur faut combien de tonnes de flèches là en vrai? Non c'est chaud hein. Parce que je peux vous dire, on a pris des flèches, alors à moins que ça touche toutes mes unités spécifiquement. Je peux dire qu'il en a pris des flèches hein. Je sais pas si c'est le fait que ce soit... Après ce sont des catafractaires donc forcément ils ont l'armure mais faut pas déconner non plus. Allez les gars, visez lui là. Vous arrêtez de viser là. Merde. Voilà, lui est tombé. On va faire gaffe quand même. Hein, même s'il n'y a pas beaucoup d'unités à distance. Eux là, ils arrêtent de tirer. Ils vont tirer sur mon général, c'est cool. Voilà, les 4 facteurs. Voilà, enfin. Hop. Bon, là, il n'y a plus qu'à finir les munitions hein, sur les unités ennemies. Donc, on étale. On va le planquer dans la forêt. On accélère le tout. Il y a encore une possibilité de faire feu là. Très légère hein, qui subissent des pertes absolument folles. Même pareil là-bas. Attention cependant à ne pas se prendre de salve. Ouais.
peut faire mal pour pas grand chose, ce serait dommage. Hop. Allez, on tourne, on pivote totalement l'armée. D'accord, eux ils veulent pas, c'est cool. Je sais pas, eux ils sont passés au travers des ordres en mode bah non. Non, en fait on veut pas trop, t'as vu. C'est que de la cavalerie légère, très légère, très légère. Peut-être la cavalerie limitée, très légère, très légère. Très légère, légère. Ah non, très légère. Mais il reste plus de la très légère là, ça va être gratuit. Hein. Très légère ça, la vache, c'est un énorme bouclier pourtant. J'imagine même pas la tête de leur cavalerie, enfin de leur unité très lourde, hein, alors. Purée, si ça c'est très léger. Allez, on recule, bon, on resserre un peu pour pouvoir reculer là. Forcément, vous voyez toutes les unités là-bas qui ne servent à rien. Hop. Ouais, parce que là on est pas loin du hors map, si. Oh, il y a de la place, c'est bon, je pensais que c'était pire. Hop, on va pas aller plus vite pour l'instant. On a de quoi vider nos munitions. Parler de munitions, j'en vois qu'il y en a déjà un là qui a vidé ses munitions. Deux. Hop, tout cela là, on va les emmener là. Trois. Voilà, videz vos munitions les gars. C'est très bien. Lui on va le ramener, là ils sont plus de 40 mais... Ouais, ils font le café quoi. Hop. E2, plus de munitions, même tarif dans la forêt. Lui, pareil, dans la forêt. Attention, plus de munitions de ce côté-là. Merde, je me prends une salle. Putain, mais. Je l'avais pas dit d'ailleurs, lui. Ah bah oui, hein, faut se réveiller, mon ami. Hein. Il y a un moment. Hein. Hop, allez, toi, va courir là derrière. Hop. Mais non, il a rien compris. Hop, munitions ici, ici, ici. Ah, lui, il a plus de munitions, mais il veut rester quand même. Voilà, allez, on finit les munitions, les gars. Je veux plus voir de flèches dans vos carquois. Si on peut courir. Hein. Attention tout de même. Ils ont pris ou pas quand même? Oh, ils ont rien pris du tout. Hein. Ouais, bah faut tirer. Voilà. Et voilà, donc on en profite pour poursuivre un coup. Hop, pas de feu à volonté. Il se fout de ma gueule là, il tire encore. Hein. Voilà, allez, on va accélérer tout ça. Voilà, hein, si on peut éliminer des unités ennemies, on va pas se faire prier. Et voilà, donc on a grappillé, on a tellement grappillé qu'on a même réussi à avoir la victoire, ça c'est beau. Avec peu de pertes, 255 de pertes.
tellement raisonnable, quoi. Alors. Ok, il fait jour. Putain. Un pour mes petites unités ici. Prêt pour la bataille! Pardon, excusez-moi. Ah, oh, c'était magnifique cette voix. Alors, mes principes. Hein. Voilà. Et. On va les canarder! Alors là, on va juste couper le feu à volonté, là, le temps que. Ils sortent comme ça? Très bien. Enfin, moi, je vais sortir comme ça. Et on va là commencer le feu. Ouais, ils sont obligés de courir. Hein. Ouais, ça, c'est moche. Attention tout de même aux unités ennemies. Voilà. Allez, bon, lui, il fait le temps. Pourquoi pas. Voilà, tiraillez donc, les gars, tiraillez donc. Hein. Oh. Moi, ça, c'est beau. Hop, on recule. Pas non plus qu'ils se prennent des dégâts gratuits. C'est qui ça? Carry lourde. Je sais pas d'où viennent les renforts, par contre ça me stresse un peu. Allez les gars, on tire. Hein. Voilà. Ah là-bas, je vois des renforts. Hop. Allez, on est pris un coup de morale, un coup de draco. Mais arrêtez les gars, vous êtes cons à plus en pouvoir là. Oh là là, il voit le général, il tire dessus. Hein. Enfin, sauf que c'est mon général sur lequel il tire. Ah, quelle bande de pencu. Voilà, j'ai mis le mode bien évidemment et tout à Scaramouche. Allez, je veux un feu alimenté là. Voilà, on fait de la victime, hein, ça se passe trop mal. C'est quoi ça, conscrit hyper, c'est le jeu, c'est le... Ok, c'est bon. Allez, on décale là-bas, on voit qu'ils sont pas beaucoup, on en profite. Ça fera des cibles assez isolées. Avec eux, là, je tente une approche sur les tirailleurs derrière. Ça a l'air de se retourner là, je sais pas trop. Ouais, mais ce sera trop tard pour lui. Ils vont devoir arriver, mais trop tard. Ouais, bingo. Allez, on s'engouffre dans le trou. Attention, tout de même ici. Voilà, là ça passe. On se divise en deux, c'est pas très grave. Hop, n'allons pas trop loin. On va dire à tous d'attaquer là-bas. Ça va changer le focus là. Allez attaquer là-bas, bordel. Voilà, une bonne petite charge là. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Sérieusement Ah, ils sont pas capables de faire des escarmouches quoi, c'est fou. Les gars, c'est moi ou vous galérez contre moi, voilà. Allez, on recule là, vous allez arriver au corps à corps comme des PNQ. Hop, voilà, là on fait le tour par là-bas. Une petite charge là, ça va être parfait. Ça. Bon, par contre là, le mec qui est au corps à corps, ils ont même pas peur. Arrêtez. Ok, c'est bon, c'est la débandade pour l'ennemi.
Voilà. On peut terminer la bataille. Autant de pertes que. Un peu plus de même de pertes que la bataille d'avant. Hein. Mais bon, après là, c'était une prise de ville. Et je vois que 150 de pertes dues à des tirs alliés, quoi. N'importe quoi. Aïe aïe aïe. Alors, c'est parti. Bon, au moins, déjà, leur armée arrive en un bloc. Et j'ai ça, les gars. Et ça, je peux vous dire que ça va m'aider. Ça va m'aider, mais pas ici. On va le mettre ici. Voilà. Non, 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 vous savez quoi. Non, vous savez quoi. Est-ce qu'ils ont du... Oui, ils ont du corps à corps. Allez, on va pas s'embrouiller. Voilà. Effectivement, on peut pas le mettre plus. Lit de pierre coupante. Voilà, juste derrière, pour ceux qui passent, ils n'auront pas de charge. Et là, ils ont tendance à facilement passer, je sais. Voilà. Ensuite, bah, j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai une unité de corps à corps ici. Une autre unité de corps à corps ici. Derrière, un interrupteur escarmouche, bah, mes unités de cavalerie à distance. Et là, je vais y mettre mon général, on va voir ce qu'ils vont essayer de faire. Hein. Passer peut-être quelques unités sur le côté, ils ont un archer. L'unité d'archer, il est ici à cheval, et leur général, il est ici. Ok. Ça va être compliqué, les gars, mais on va pas se laisser faire. De merde de scarabée. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'aimerais ne pas lâcher les boules de feu de suite en fait. Bon, moi là ça va bien tirer. Que dalle. Voilà, voilà, ça c'est efficace par contre. Ouais, les chevaux de frise juste derrière là. Pourquoi ils vont corps à corps eux, c'est débile là. Nous les tuerons tous. Ah merde, putain, j'ai pas vu. Oh là là, je l'ai pas vu. Oh, il a perdu énormément d'unités en plus, ce débile. Et ouais, si on n'est pas H24 avec eux, ils perdent pédale, ouais, ils perdent pied, ils perdent pied. Les pédales, parfait. Hop, non. Bon, alors là, je signe ma fin, les gars. Je les ai tous foutus. Allez, remontez. J'ai tous foutu à terre, là, comme un couillon. Alors que c'était ça que je voulais faire. Bon, là, je vais bientôt lancer les boules de feu, là, dès qu'ils seront au contact, là, les ennemis. Passe comment derrière, ok là c'est bon. Là ils vont ralentir dans les lignes de pierre coupante, c'est là que. Hop, allez. Voilà, on va essayer de faire en sorte que ça fasse des dégâts. Pas du tout. Zéro dégâts les gars, c'est. Ok bon. C'est pas fameux. Hein. Hop. Cependant, mon général, là, je vais lui faire faire le tour. Le pauvre, là, il est pris entre 10 feux, là. Sinon, c'est quand il va lui tirer. Donc, je vais faire reculer, j'ai pas trop le choix. Je sais pas pourquoi ils veulent pas tirer. Enfin, ils se tirent dessus, hein, mais ils veulent pas tirer sur les ennemis. Mais bon, là, quand ils vont vouloir prendre le point, ils vont se prendre des tirs, c'est pas si pire. Aïe aïe.
compliqué. Bien évidemment le mode garde s'il vous plaît les gars. Voilà, l'infanterie moyenne orientale là. Bon, une centaine de flèches, ils ont perdu 10 unités. Là. Voilà, oula, le volume de la cavalerie là, ils sont un petit peu trop en forme là-bas. Hop là, halt. Personne ne les voit. Qu'est-ce qu'ils vont faire au corps à corps eux? Sérieusement? Ok, là c'est gratuit. Merde, là, il voit mon général fâché. Non, c'est bon. Par contre, eux, là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire encore, les autres. Là. Là, ça tire. Bon, bah, on va continuer de tirer. Hein. Attention, les montagnards, ils peuvent faire une salve. Stop là. On a le même principe. Voilà, on vide bien les munitions. On a aucun intérêt à ce qu'il. À ce qu'on engage avant. Hop, toi. Je vais te faire plaisir mon ami. Mais quoi, il y a des montagnards légers. Ouais. Ça serait bien là si on pouvait tuer les archers orientaux. Voilà, pareil pour le général. Ce serait encore même mieux. Si eux là ils se concentraient sur le général et pas sur les unités un peu planquées derrière. Oh là bah dis tu recules un peu trop toi. Voilà genre comme ça c'est bien. Hein. Voilà, déjà on va reprendre le point. Je veux que tout le monde tire. Ah bah non pas parce que tout pas peu nourri. Décale tous comme ça, j'ai mon général qui va charger derrière cette unité. Voilà, général mort, hein, vous voyez le moral là, le moral de toutes les unités ennemies qui chutent. Hop. Attention, le but n'est pas de prendre des dégâts gratuits. Hop, bien évidemment. Là, fait exception, mais bon, pour prendre ce point, je vais être obligé de descendre de mes unités. Ah bah d'accord, bon bah, termine la bataille, on continue. C'est quoi? On veut le minimum de survivants possible. Hop. Ah, on attend que ça tire plus. Ah oui, zut, je me dis que... Du coup, ça aurait pu. Ouais, c'est correct là, on a l'air. Hein. Voilà. Bien repris le point pour bon, bah qui ne servira pas du coup, mais voilà, on chasse bien toutes les unités ennemies qu'on peut trouver comme ici au lieu de glander les gars.
peux me porter tendard là. Hop là, a plus. Ça suffira. On a perdu quand même pas mal d'unités. Ah, cette fois c'est pas des tirailliers. Pour une fois, ça n'est pas du friendly fire. Ça c'est plutôt pas mal. Parce que... on s'en prend quand même beaucoup. Hein.